Bienvenue sur votre chaîne, les amis. Heureuse de vous retrouver en pleine forme dans l'amour, dans la santé, dans le bien-être. Donc aujourd'hui, nous allons aller avec un petit poulet à la sauce ketchup. Et voici mes ingrédients. J'ai là-dedans, j'ai le céleri, le poivron jaune, rouge, le poivre. J'ai aussi du gros persil. J'ai de l'ail. Je vais aller donc mettre ça déjà dans le moulinex. Si mon ketchup, je vais faire la sauce ketchup. Je sais pas si je vais accompagner ça des haricots à côté ou de l'oseille. J'hésite entre les deux, mais je verrai bien à la fin. Je m'en vais d'abord écraser mes ingrédients. Donc je vais assaisonner rapidement. Là, je fais un peu vite. Je mets du paprika. Je vais mettre ça là. Voilà, paprika, donner aussi un peu de la couleur. Je vais mettre mon ketchup. J'ai la recette du poulet ketchup dans la chaîne des anciennes, des premières vidéos. C'est dedans. Ouh là là, il y en a trop. Je vais mettre du sel. Un peu de sel. Je vais mettre rapidement mon poulet comme ça. Et voilà notre poulet, les amis. Voilà le poulet à la sauce ketchup. Voilà. C'est le riz. J'avais mis le riz au feu avant. Voilà, pour aller vite. Je vais faire la sauce avec parois de haricots là. J'ai une noisette de beurre. Je vais laisser fondre. Je vais mettre du poivron rouge. Voilà. Ça c'est mon poulet. Je continue à cuire. Directement mettre mon poivron rouge. Un haricot blanc. Voilà. J'ai laissé bien cuire mon poivron. Ça va faire comme du cassoulet. Voilà, on fait comme ça, comme du cassoulet. C'est bizarre, la couleur monte comme si c'était brûlé alors que c'est pas brûlé. Trop bon, les amis. J'ai goûté, c'est bon, mais j'aime pas la couleur. Et voilà, voilà les amis, notre assiette du jour. Voilà comment ça se présente, notre poulet à la sauce ketchup. Voilà, accompagné d'un bon riz blanc, comment ça se présente. Nos haricots blancs à la sauce pour accompagner notre poulet. Et une petite touche déco, bah, tata Henriette, poivron jaune et ketchup. Et voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire merci encore de m'avoir suivi une fois de plus. On se retrouve toujours sur cette chaîne pour une prochaine recette. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, de partager, d'activer la cloche, les amis, et de laisser un commentaire. Bye bye!